Mbote Bandeko, shalom mes bien-aimés qui me suivez sur lesavertis.net et sur notre chaîne YouTube Les Avertis. Ça faisait un bon moment que je n'ai pas pu tourner des vidéos. Cela était dû à, comme moi-même je l'appelais, une retraite forcée. Dieu a permis à ce que Nazala un peu. Nazala la possibilité de tourner ma vidéo. C'est ainsi que nazo rendre gloire, nazo rendre grâce na Yemoko Nzambe oyo a permettre ka makambu mususu na ba vie na biso pour na ko enseigner biso makambu mususu pe le susu na vie na biso pe kaka ou bien na vie bande ko mususu et puis na suka nango mona Nzamba ko pesa ol susu n'est-ce pas une nouvelle force, une nouvelle inspiration pour nous continuer Moussa Anaye. Nous avons beaucoup de na tanyons na pasaki, bandeko nyons tuba participaki, tuba bengaki, tuba compatisaki nangai. Merci beaucoup de tout cœur. D'ailleurs même na bandeko Moussa bamona kingate bamitungisaki. Merci na ba appel na bino, na ba message na bino. Vous savez, yango moni biso nyonso tali ba passagers, tout ça batou, hein, tokoki ko lemba, tokoki ko ko kufa, tokoki ko bela, tokoki ko za na ba difficulté misusu sala que moi toya liboso na binoza te yango chaque fois quand nous venons devant, ezali une occasion pour toi, c'est lui ou celle qui me suit de prendre ces messages au sérieux. Pourquoi? Puisque yomoko okoma na capacité ya ko Zala en contact direct, en contact sans filtrage, n'est-ce pas, à Yeshua. Puisque ce qui yo moko comme moi dans Zambé, Nzamba ko tambu sa yo, Nzamba ko lié sa yo, puisque Nzamba ko akoma papa na yo. Mais ce qui bozela toujours que, batumusu bate a kabino, bino moko bozo kate a ko médite te, moi je pense que ce n'est pas une bonne manière aussi de faire. C'est pourquoi, Natanyons open aza ki, comment dire, absent sur la toile ou bien na kata ba YouTube tout ça et na mega kusona bande ko mususu pe na bisi bango vraiment il faut chaque mutu azwa ye moko pe temps pour naye moko de façon que ya ko méditer parole ya ko luka ko progresser na makambo nzambe ya ko luka ko mitu na ba bonne question par rapport à relation na nzambe relation na ba tout ça et cela fait que ce qui osa ko sala bongo de ko avancer n'est-ce pas de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse onions tout azwa ki possibilité à ko sala message to ko komelangai to ko bengangai na mo onaza ki absent na kati n'est-ce pas ya donc ya ba toile ou bien na kati ya ba YouTube tout cela mais là par la grâce de Dieu to zongi vraiment to continuer Moussa na biso hebdomadaire pourquoi pas donc plus fréquent que avant les sous par rapport à ma casse Nzamba ko pesa biso pe ba pour moyen on Nzamba ko disposer les bosso na biso. Je bénis toute personne qui va réellement suivre cette vidéo na za ko tika moment nyonso ko passer na maboko en kolo yemoka tambu sa biso. Seigneur, nous te bénissons car nous croyons que c'est toi qui permet des choses dans nos vies. C'est toi qui permet, qui donne aussi des messages pour que nous venions avec ces messages pour partager à nos frères, à nos sœurs, Seigneur. Daigne, mon Dieu, recevoir ces instants. Sois avec nous et dirige-nous par ton esprit. En ton nom, Yeshua, nous devons ainsi prier. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, soit exalté. Par rapport à ces titres, bien ces thèmes que vous voyez, vous remarquez déjà, je vais dire, na écran, na binou, na dia thème, wana tolobi, tutuni tolobi, comment détecter une secte? Première question. Et puis tolobi, possibilité, comment en sortir, bien comment sortir de là? Comment sortir d'une secte? Ces messages, je pense que, comme d'habitude, comme je vous dis souvent, je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur va nous diriger, au fait. Mais du moins, je m'aimerais à ce que Moutounion soit au Kangaï, au comprendre Ngaï. Pour ceux-là qui ne parlent pas le Lingala, encore une fois, si ces termes vous intéressent, écrivez-nous. Les mails sont là, le numéro de téléphone est là, écrivez-nous si ces termes vous intéressent, puisque je vais plus parler en Lingala qu'en français, mais deux fois, il y a de nos frères qui
quand je parle avec, je fais avec toutes ces deux langues, ils comprennent quand même. Mais si tu es vraiment intéressé, écris-nous. Nous allons peut-être faire une vidéo à part par rapport à ces thèmes sur les sectes. Voilà. Donc, le titre est là devant vous. Comment détecter une secte et comment sortir de là? Comment sortir de là? Oui, le Seigneur est merveilleux. Il nous aide à détecter, à comprendre des choses vite par rapport peut-être à d'autres gens, par rapport peut-être à d'autres frères ou sœurs. Nzambe asalaka biso grâce wana, biso bana na ye. Quand je dis biso, je dis toi, je dis moi, je dis celle-là ou celui-là. Nzambe asalaka biso grâce to détecter. Babisika mabe to mate ya mabe. Il y a une secte en Chine. D'abord, commençons par cet exemple-là. Une secte en Chine, je vais vous donner le nom. Cette secte, la secte s'appelle l'Église des Dieux Tout-Puissants. C'est une secte. Peut-être beaucoup vont s'étonner. Peut-être beaucoup vont s'interroger pourquoi est-ce que Nazo Benga, cette secte, Église de Dieu Tout-Puissant, je vais vous donner mes explications par rapport à ce que le Seigneur nous a montré pour la secte. Il y a des sectes plus dangereuses, très dangereuses. Et il y a aussi d'autres sectes qui Bazakana couverture mokoboye apparente. Bino bozo bonane tiki ali ezali bakamanzambe sur tout ce boni. Bazako pesa mingi kombo a Yesu liboso. L'église des saints des derniers jours, l'église de retour de Jésus-Christ, l'église bonaboye, tout ça. Ils veulent, n'est-ce pas, vous attirer par rapport à ces dénominations. Vous allez vous étonner que le Seigneur Yeshua n'a pas laissé une quelconque dénomination. Posez-vous cette question, pourquoi? Pourquoi le Seigneur Yeshua n'a pas pu laisser une quelconque dénomination? Puisqu'a yebi mite mayabatu. Vous savez combien de prophètes de Dieu à l'époque des enfants d'Israël ont détourné le message, ont détourné, n'est-ce pas, la doctrine donc de Yahweh pour, n'est-ce pas, servir, je veux dire, les étrangers. Pourquoi? Puisque l'homme est comme ça. Voyez-vous, il y a une partie de l'histoire des enfants d'Israël lorsque Moïse se trouvait donc à la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte, Basalakinin, Balobi, Kenzambe, Balingi, donc je veux dire, Baebsi Aaron, je veux dire, Balingi, Asala Baron Nzambe, pour adorer Nzambe Wana. C'est-à-dire, les hommes, les humains sont pressés, n'est-ce pas, à donner gloire à de statues, à donner gloire à de choses, de bois. D'autres même prient des pierres. Pourquoi? Puisque l'homme en soi, il a la soif de l'adoration, mais comme il n'a pas la foi, comme il n'a pas l'esprit de Dieu, l'homme se perd souvent. Nalomina bino que l'Église de Dieu Tout-Puissant, c'est une secte, mais bien enveloppée. Comme aussi l'Église catholique, c'est une secte bien organisée. Comme aussi des témoins de Jéhovah, ce sont des sectes répandues partout dans le monde. Ils gagnent de marché. Comme des mormons, ce sont des sectes au même niveau que des Scientology. Donc, ce sont des sectes. Maintenant, comment reconnaître une secte? D'autres diront qu'une secte, c'est une pensée. C'est un courant de pensée. Je ne veux pas aller dans l'étymologie du mot secte qui vient de secteur ou bien sélection. Mais ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est
le soubassement de cette structure. Toute chose, ou bien toute secte, oyo ezali na mokili, ezaka na idéologie moko. Ça dit, ce n'est pas une définition, mais c'est au fait, je suis en train de vous expliquer comment secte ezaka organisée. Une secte, ça a toujours une idéologie à moutou. Et je pose souvent des questions, je me dis, comment une personne comme Paul, laissons d'abord Paul de côté, prenons Jean, qui même posait sa tête sur les cuisses de Yeshua. Pourquoi est-ce que Jean n'a pas fait, n'est-ce pas, une dénomination en son nom? La question qu'il faut se poser. Pourquoi Jean n'a pas laissé des disciples à lui? Quand je dis Jean ici, je sous-entends de Jean, n'est-ce pas, Jean, les disciples en fait, le disciple de Yeshua. Puisqu'il y avait Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait son courant en lui. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent, des hommes, des groupes qui s'appellent, qui se disent des baptistes. Qui viennent, n'est-ce pas, de ces dérivés-là de Jean. Et pourtant, même Jean lui-même, il dit qu'il n'était pas la lumière, mais il était venu, n'est-ce pas, pour présenter, pour annoncer, pour nous présenter la lumière qui était Yeshua. Pourquoi? Puisque Jean profitait de cette lumière. Souvenez-vous, dans le livre de Luc, lorsque Marie, la mère de Yeshua, vient, n'est-ce pas, pour visiter sa sœur Élisabeth, qui était enceinte de Jean-Baptiste, hein, la grossesse de 6 mois. Quand Marie est entrée dans la maison, à Pessimbote, et pas, n'est-ce pas, il y a Élisabeth, moi, dans la carte, il y a Jean-Baptiste, il a tressailli de joie. Pourquoi? Même la voix seulement de Marie a fait que la semence qui était en Marie, n'est-ce pas, est pessi nini et sengo na Jean-Baptiste de la carte. C'est pour dire que non, lui, il était inférieur de Yeshua. Comme Yeshua est Dieu, comme Yeshua est sauveur, Jean-Baptiste, à l'époque, c'est normal, comme il avait un autre courant, mais ce n'était pas Namoutou naie, ton programme naie que ceux qui aza le sous-souté, basa la courant, babengi, baba, baptiste, non, c'est pas ça. Pourquoi? Les hommes récupèrent toujours. C'est pourquoi Yeshua n'a pas voulu laisser des choses comme ça. Il a dit qu'il faut que je m'en aille afin que le Saint-Esprit puisse, n'est-ce pas, me remplacer. Pourquoi? Puisque lui va vous enseigner. C'est lui qui va vous mener, c'est lui qui va vous guider, au fait. Ce qui moutou, asa guidé par le Saint-Esprit, asa guidé par une certaine idéologie à moutou, moutou na koi na katia secte. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'un habit, l'église de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi je dis que c'est une secte? Voyez d'abord leur idéologie. Voilà, écoutez l'idéologie de cette secte église du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, lorsque eux disent dans leur message, Dieu Tout-Puissant, ils font allusion, pas au Dieu créateur ou Yeshua, ils font allusion à quoi? Cherchez le nom, vous allez trouver ça sur Internet. Église du Dieu Tout-Puissant. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent donc, leur enseignement fondamental est que Jésus-Christ est revenu sur terre à notre époque comme une incarnation du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, bango, basa qu'on dit que il y a une femme, une jeune femme qui est venue, n'est-ce pas, na katia mokili, na tan abiso. Quand on dit notre époque, ça dit ce n'est pas l'époque ancienne, c'est notre époque, époque yalelo. Ça dit pour na bango, babandi, je pense, na 1991, comme je vois là en Chine, ils disent que non. Donc Jésus-Christ est déjà revenu sur terre à notre époque comme une incarnation du Dieu Tout-Puissant. Et puis, Balobi Susunini, Awa, donc rapide. Juste maintenant, ça dit, pour Nabango,
Donc oui, fondation en gros vraiment en 1989 bolimbisanga c'est pas 91 je pense que il y a qui est donc apogée na bango mais babanda qui vraiment na 1989 et puis pour na bango n'est-ce pas tant que Bible ça colobali kambuya ya comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Bah on va aux Orient, donc Chine, côté Nabango, n'est-ce pas, par rapport à Matthieu 24, 27. Et puis, bah, bazo basé vraiment dans le lobby, Nabango, secte Nabango, sur Kolobake, Yesu, assis à Yah déjà, dans la Katia Mokili, Awa, sous forme, il y a une jeune femme, tout ça. Donc, ça dit, au moment où il y a que. À partir des locaux déjà, hein, puisqu'il y a une personne qui m'avait, n'est-ce pas, posé cette question par rapport à cette secte, n'a pas eu de réponse. Oh, je pense que bato ba yeba kite ba yebi pesiko, obi ba yeba secte wana te, ce n'est pas pour faire leur publicité, mais c'est pour vous dire que non, il y a des sectes comme ça, au moins ba osala ba nzembo contre donc pour Yeshua, mais ba ça ko masquer, ba ça ko mekape ko flouer ngo pour mouto comprendre te, mais ba na nzambe ba toujours averti ba comprendre. D'où première partie dans le bac que c'est comme Nazak expliquait Bino, secte Alinine. Donc, toute organisation ou bien structure est basée dans Moutou. Ou est-ce que donc, substance ou bien sous-bassement dans Moutou. Neti Bango, donc leur chef religieux, c'est un monsieur, je pense, Kombone Pesawa, mais c'est donc Kombone Pesawa. On a habité sur tout le monde en gros, mais ça nous intéresse pas vraiment. Même Rotia Kombo, c'est pas important. Mais ils allaient pour la corruption, non, que non, ils allaient, n'est-ce pas, structure Moko, au Bali, qu'on semble en Zambé, mais ils sont des sectes. Pourquoi? Puisque ils ont une autre idéologie, qui est l'idéologie, oh, il y a Yeshua, après ça qui, c'est-à-dire, doctrine saine, donc saine doctrine, oh, Yeshua, tika qui, par les apôtres. Et puis, tout comme on a mis sous le titre, mormon, c'est la même chose, témoin de Jéhovah, c'est la même chose. Ce sont des sectes reposées sur les enseignements des humains, aux hommes. Donc, bref, ils allaient, biloko fo moutou, ayeba, comment détecter. Alors, mais par contre, vous allez dire, oh, ils ont une organisation ébanie, ils ont une et tout ça, mais il y a aussi d'autres sectes, oh, ils ont une secte, moko, tobenga, il y a un ghetto, il y a une communauté, par exemple. Ok? Tout ce qui est, par exemple, dans le Congo, pour détecter une secte, et puis après, chaque mouta a tiré, n'est-ce pas, il y a une leçon. Ce que mon groupement a battu, regroupement ya batu ou bien batu basangani na kati wana ba pesi kombo ya église na bango par exemple ese belé la bikaka la manne cachée et pourtant ils a déjà révélé la manne cachée et puis na ko na kombo na ye na pelé luka kombo mandiango donc la manne cachée muko na ngo mandiango. Ce que Mandiango wana aye avec message tel que Nzambe a bengié. OK? Azala pasteur. Et puis après Mandiango alobi ke bon comme église comme nango la manne cachée et zana ba ancien ba diacre tout ça. Pona zala prudent tikana sala ministère nanga part a bengiango Mandiango Ministries. Et wana komona, izasko na puissance, to na pouvoir minkoleka, n'est-ce pas la manne cachée. Pourquoi? Puisque ça a besoin, n'est-ce pas, à s'accaparer na pouvoir wana. Et, ba enseignement na ya kope sabato. Et que ça la par rapport ya ndenge ya zo kanisa. Et puis tout le monde qui vient dans cette église, soko tout nié, au sambe la kawapi, au mona lobi, la manne cachée. Et pa ya, Pasteur Mandiango. Pasteur Mandiango, 5 ans plus tard, a commis apôtre Mandiango, puisque la manne cachée 1, la manne cachée 2, et bimi. Ça dit, pour la bango, ça dit, basa kosa ba extension, ba mi bengi, ba komi ba apôtre. Ça dit, ce que moni, oye na katia sal moko boye, ba tche ba kiti moko eza en or, hein, ba doré tout ça, ba tche pasteur liboso, mingi na mwasi na ebisou, ba komi prudent, hein,
Depuis que tu es à Makambo, ça fait plus de 20, plus de 10 ans, je vais dire, tu es à Makambo, yo, Ming va changer de stratégie. Bah, comme il vend dans la Moulongo, mais entre-temps, on a que c'est lui, au fait, donc, Mukolo Église, en fait. Et puis, ce qui est ça, il est Kambo, toi, tu es à Kambo, il est contre Makambo, il est Kanisa. Comme même qu'on a qu'à cette église, ouana, église entre guillemets bien sûr, parce que l'église c'est pas le bâtiment, l'église c'est le corps, hein, puisque c'est le corps, puisque avant église ils allaient faire battre basala, ça, battre basala l'église, d'où ce sont des gens, hein, le corps de Christ, ils allaient battre, nous autres on a eu, d'ailleurs le corps du Saint Esprit, le temple du Saint Esprit. Donc au moment que battre basala kolanda, idéologie à mutuana, ata asali mabe, il y a qu'au bengana qu'on tout battre, mais il y a tika les places ouana. Ainsi de suite. Et misu ba okende musika mba kumo ba kono, ba kumi ko sambela nzambe ya mandiango. Ainsi de suite. Ozo mon. Bon, si ko danger li bosse a la ganine, zaka ke, fwa yaza ma pesino ba karakteristik, nespe ba secte, ba exemple ezebele. Ezebele, par exemple, mona moutou, moko boye, na katia eglise na ye, ate kaka mafuta, ate kaka mungwa, ate kaka mikate, ate kaka je ne sais pas, ba pétrole, ate kaka biloko mesa batou, ate kaka ba chapeau, ate kaka ba calendrier, tso moni nyon se zali centré, tourné vers l'homme soi-disant de Dieu, c'est une secte. C'est une secte. Et souvent, batou an ape, soit soka simba et loko moko te kisi moko ta kota na ba kabal juif te a kota na ba makamoko boye ba franc-maçon te tabso na pasa asana kisi moko parenthèse na fongola rapide na okangango bala moko place nganda ko sambela kala il y avait un monsieur azaki ndeko na biso ya bandundu azaki soi-disant ancien na kati ya assemblée wana et il arriva un moment que son père était malade. Alors, il y a papa Nazaki, chef coutumier. Bon, il y a Azaki ancien, mais maintenant qu'on prépare comme un pasteur, il y a Dani, monsieur Wana. Alors, il s'agit que, à Kei, n'est-ce pas, Nambo Kanabango, comment dirais-je, pour assister papa Nazaki, il s'agit que papa Nazaki Koufi, automatiquement, il y a comme chef coutumier. C'est-à-dire, tu vois qu'une personne qui se dit ancien, a comme un pasteur aspirant, a commis un dimina comme un chef coutumier. Et puis, à Zongi, à ça, que non, tout bandundu qui se respecte, il faut comme anakati à Mayumbu. C'est anakati à village na Bango. Pourquoi? Puisque c'est là où ils prennent, n'est-ce pas, de pouvoir. Et des gens comme ça, tu verras même dans leur maison, dans leur foyer, ils vont, n'est-ce pas, il a tendance à diriger sa maison comme un chef coutumier. Et c'est déplorable. Nakangi parenthèse vite. C'est-à-dire, une secte, c'est quelque chose qui vient de pensée humaine. Pensée humaine, et ça dit que Moutou a commis, n'est-ce pas, qu'on dicte Batou Makambounaye. Et beaucoup vont s'appeler la tendance à Okumba livre pour faire asseoir, n'est-ce pas, doctrine naïe. Et pourtant, l'apôtre Paul dit, même ceux qui bissent, tout ange, outil, qu'on va terminer, évangile, oyotozoa, quitte na Yeshua, pas à la mise à la thème. Mais des gens ne comprennent pas ça. Ils le prennent de message. Comment est-ce qu'une personne peut faire boire des gens du pétrole en disant qu'il est guéri dans la maladie? Même Will on va passer dans la Bible, dans Jacques, si on n'a pas dit que c'est l'huile qui guérissait. Il y en a mon agabat mususu, mon agabat continue de continuer Will, donc sur ce Will, tout ça, ce n'est pas ça. Par rapport à livre à Jacques Baloba qui est la prière de foi qui va sauver donc le malade. Et en l'occurrence, Will les a qui le colla kissi. C'est comme si Moutazui a donc Novalgine a aspirine amélie. C'est la foi qui sauve. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le médicament qui sauve. Bref, Babylon, quand on a dit que nous avons un ami, par exemple, tout le monde a des réseaux sociaux, dernièrement, baptême d'eau, les choses qui ne comprennent pas, donc, Misa, tout ça, si c'était des choses de Dieu, ça n'allait pas passer comme ça. Pourquoi? Puisque, par exemple, comprendre le message en Zambé, le baptême d'eau ne sauve pas, mes bien-aimés. Ça ne sauve pas. Donc Jean-Baptiste dit que c'est lui qui viendra après moi va vous baptiser de l'esprit et de feu. Ça dit après baptême ya Jean-Baptiste ya muni ba banane bato banane ba Baptiste bazaka ming makasika kana ko baptiser ba tout me ba dimagout même œuvre à Saint-Esprit présenté. Mais pourtant Jean-Baptiste alors qui bien que non quoi après binon c'est lui qui va vous baptiser donc de l'esprit et de feu. Et d'autres me diront mais yemoka loba qui allait baptiser. Oui, le baptême dont nous parlons ici, c'est pas le baptême physique, c'est le baptême de la parole, car l'eau c'est la parole.
L'eau, c'est la parole de Dieu. Yeshua azali maï na bon moi. C'est-à-dire, celui qui boira cette eau n'aura plus soif. Comprenez ces choses, mes bien-aimés. Tout le monde que l'accent est un danger, et ça, là, que, soit dans la carte secte, au monde, il y a tendance à kabola batou. Ils ont toujours tendance à séparer batou. Tout le monde qui, à un certain moment, église, il y a une secte, il y a un combat spirituel, il y a un couple, il y a un couple qui est au langue, tout ça. Tant que Bayaka Liboso, Nakatia Congo, à l'époque Zaïre, moi je me rappelle tout ça, qu'il y en avait Zaki Ming, Zaki Ming qui s'est passé dans le jardin, zoologie, wana, tout ça, na, donc na Gombe, c'est ça. Bayaka a un message, il y a un Kabola Batu. Et moi je connais même une sœur, Tilelo, qui a eu une place à Zate, Nakatia famille, pour Nakatia Makambouana. Ça dit, il y a un Kabola Batu, il y a un terme tel que, donc, esprit, il y a servitude, il y a un tel que, moi, il y a un banda, tout ça. Il y a des gens qui ont quitté leur femme comme ça, en cascade, puisqu'ils n'ont pas compris le message, ou bien le message était mal conçu et mal présenté. Au monde. Et bah tu vas couper bon ou bien tu vas maladie puisqu'il fallait que passer bah jeûne et prière et bah 20 jours et bah 21 jours les gens pensent que il faut que donc Zamba que Big ça pour se consoler bah jeûne ou on a tout ça bref bah secte bon ça là et que non et Kabola Kabatu et Koko Bomayo hein, comme tout le monde a battu les Jéhovah ceux qui moutou Azali n'est-ce pas n'a pas mon maquila bah qu'on transfusait était tout ça et tout cela et ça comme ça là que Batu bah on a un message ma B. Et c'est le danger Liboso, ça vous sépare de votre cercle social, ça vous sépare même de vos familles biologiques, ça vous sépare de vos amis, ça vous sépare, n'est-ce pas, de vos connaissances. Bref, ça vous met à part. Tout le monde a même ba mormon on a tout ba église qui des saints de dernier jour ba vivaka bango moko puisqu'ils veulent pas n'est-ce pas que ba membre na bango bazwa et loko mususu. Yango naza ko pambola nzambe pona internet puisqu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans des sectes pareilles mais en suivant des messages comme ça ils ont changé leur façon de voir les choses. Nabi, on a dit ba danger et que koya na kati n'est-ce pas, il y a makambo oyo, il y a ba secte. Bon moni que depuis to bandaki, on n'a pas encore vraiment to tangina nos versets donc biblique à mon côté, hein, mambo na cholo banalina prions quelques minutes na verset biblique et puis après to kota la comment est-ce que to ko chuter pour na ko pesa bino suko réponse à ko ba que non, comment faire maintenant pour na ko bima na kati ya ba secte wana. Tout dans la carte, il y a d'abord Colossiens chapitre 2, verset 8 et l'obi. Colossiens chapitre 2, verset 8 et l'obi. Je vais lire ça. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Yeshua, sur Christ. Prenez garde. Ça dit, si vous avez un secte comme on a que, vous avez tendance à l'ingé à contrôler même famille, au foyer, na yo. Au moins, moi, si vous avez un mobile, vous n'avez pas pasteur. Et puis vice versa. Ça dit, pasteur a commis le coach coach la famille nabino. A commis le coach même la vie intime nabino. Et c'est pourquoi vous verrez même ces pasteurs qui sont gourmands, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous dépouiller jusqu'à ce que vous dépouillez même qu'on soit même moi, si na yo. Pourquoi? Puisque ba lingi ni ba kenon ba philosophie et ba tromperie. A quoi bi sao kenon donc il faut qu'on respecte ba sal nzambe. Ozo mon. Que faut respecter ba donc ba wain ba ko bi sao ke bango ba li ba sacrificateur binoté. Binoté. Et ils vont s'appuyer n'est-ce pas sur la tradition des hommes et comme que pasteur faut ba benge papa. Ce qui n'est pas normal. Papa yango père yamolimo bien sûr père spirituel et le papa n'est-ce pas le pasteur qui dit même que non mes enfants spirituels et ils vont donner l'exemple de Timothée tout ça batier bazu makambo hors contexte pour n'ako pèse prétexte na bango alors c'est pour dire que là ezali d'abord il faut que yomo kozo ke na kati ya biblo qu'on a faut tala nyonso naza koloba imaginez-vous par exemple bozu likamu na kati ya assemblée wana babiki basa la cotisation.
et pasteur a sali radio na batunaye bino bozala kite et puis l'autre abimi a zui parole non ngai to kana ki na réunion boye ba marié ba opesa 300 célibataire opesa 100 c'est-à-dire il vous donne de montant sans pour autant vous demander votre avis ou vos moyens pour gagner la vie ndenge nini. Et tu verras même que si au moins na katia ba église wana ba pasteur ba saka sima ba dîme tout ça. Il va vous dire que celui qui donne pas la dîme, il est maudit. Et pourtant, la malédiction ou la bénédiction, c'est seul Dieu qui peut faire ça, qui peut donner ça, ou bien qui peut, n'est-ce pas, châtier. Ok, on a dit que Awa, Colossiens, Lobin, Abisso, prenez garde, puisque ça vaut ta vie éternelle. Si tu te trouves dans un milieu, dans des milieux pareils, il faut comprendre que ici c'est pas la gloire de Dieu. Ou bien lorsque le pasteur arrive, tout le monde doit se lever. Lorsque le pasteur veut passer devant, tout le monde doit se lever. Non, on a biloko, il y a nzambete, il y a biloko, sont des rudiments, n'est-ce pas, du monde et non de Yeshua. Et dans le même concept, aujourd'hui, n'est-ce pas, Éphésiens 4, 14, et l'obi, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Et emporter, il faut attendre à partir de 13 pour nous comprendre le concept, le contexte rapidement. Éphésiens, donc il y a aussi ça, puisque je n'ai pas même voulu que ça, donc il y a aussi ça rapidement. Éphésiens, donc je pense que tout ça, la deuxième partie, à bientôt là. Bientôt là, on attendra Éphésiens 4 après tout ce qui s'en Éphésiens 4. Donc 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Yeshua, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Yeshua Christ. Faut que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire prochainement comment sortir alors de ces sectes. Soyez bénis. Shalom. Confiance. Si ce n'est qu'en toi, Elohim, El Hayi, le Dieu vivant, Yeshua, le Dieu qui sauve.